Qu'il s'agisse de votre série TV préférée, d'une présentation pour le travail ou de vos photos de vacances, vous pouvez les partager sur grand écran avec AirPlay. Commençons par revoir les bases d'AirPlay. Nous verrons ensuite comment diffuser une vidéo et recopier l'écran de votre iPhone ou iPad. Commençons par parler d'AirPlay et de la différence entre diffusion et recopie de l'écran. AirPlay utilise le Wi-Fi pour partager du contenu de votre appareil sur votre Apple TV, des Smart TV, des enceintes et des Mac prenant en charge AirPlay. Vous pouvez diffuser du contenu directement sur votre iPhone ou iPad. Ou utiliser la recopie de l'écran pour afficher l'intégralité de votre écran sans utiliser de câble ni d'adaptateur. La diffusion avec AirPlay vous permet d'afficher du contenu comme des vidéos, des photos et de la musique à partir d'apps compatibles de votre appareil sur un autre écran. Vous pouvez continuer à utiliser votre iPhone ou iPad pendant que la vidéo est diffusée sur l'autre écran. Vous pouvez également contrôler la vidéo, lecture, pause, avance et retour rapide, etc. La recopie de l'écran avec AirPlay vous permet de partager le contenu de l'écran de votre appareil sur un plus grand écran. Tout ce qui apparaît sur votre appareil sera affiché sur l'écran en temps réel, y compris le contenu des apps, les nouveaux messages et les notifications. Pour utiliser AirPlay, vous avez besoin d'un appareil compatible comme votre Apple TV, une Smart TV compatible avec AirPlay ou un Mac. Assurez-vous que votre iPhone et votre appareil AirPlay sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour diffuser une vidéo de votre iPhone ou iPad, touchez l'écran ou le bouton « Pause » pour afficher les commandes vidéo et touchez le bouton « AirPlay ». Selon l'app que vous utilisez, vous devrez peut-être toucher d'abord un autre bouton comme « Partager ». Sélectionnez ensuite l'appareil à utiliser avec AirPlay. Choisissons notre Apple TV. Si vous diffusez du contenu sur un appareil AirPlay qui n'est pas connecté à votre identifiant Apple, un code peut apparaître à l'écran. Saisissez le code sur votre iPhone ou iPad, puis touchez OK. Pour arrêter la diffusion, touchez à nouveau le bouton AirPlay, puis votre appareil dans la liste. Vous pouvez profiter de votre vidéo sur grand écran et continuer à utiliser votre appareil pendant la diffusion. Génial! La recopie de l'écran vous permet d'afficher l'intégralité de l'écran de votre iPhone ou iPad sur un autre écran avec AirPlay. Ouvrez le centre de contrôle, touchez « Recopie de l'écran » et sélectionnez l'appareil à utiliser. Pour arrêter la recopie, rendez-vous au même endroit. Si vous recopiez votre écran sur un appareil AirPlay qui n'est pas connecté à votre identifiant Apple, un code peut apparaître à l'écran. Saisissez le code sur votre iPhone ou iPad, puis touchez « OK ». Tout ce que vous faites sur votre appareil apparaîtra sur votre écran. Prenons une note sur laquelle nous travaillons. Vous pouvez même modifier l'orientation pour obtenir une vue plus large. Regardez comme c'est beau sur grand écran. Voilà comment diffuser du contenu sur grand écran avec AirPlay. Pour en savoir plus sur vos appareils Apple, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la visionner dès maintenant.